fenêtre. Ah oui. Mais regarde. C'est quand même bizarre, non? Ouais, je sais pas si on voit bien la caméra. Mais c'est super bizarre, oui. Alors oui, on sent bien sûr que forcément la lumière a du mal à passer parce qu'il y a énormément de végétation. Mais c'est quand même un arbre qui est mort. C'est bizarre. Je sais pas. Quand il pointe j'ai sur le aucune côté, explication. Ouais. À moins que l'arbre, quand il était vivant, il avait cette position-là et que maintenant qu'on n'en voit que le squelette, c'est. C'est fort possible hein, qu'en poussant avec la végétation environnante, bah du coup finalement, c'est pas l'héliotropisme. Le fait que les plantes se penchent dans un sens pour reprendre la lumière. Oui, je sais plus, ça. Je dirais peut-être une bêtise. Ça. Non, si, je crois. Du coup, c'est fort possible que ce soit ça. Ouais. Mais c'est vrai que ça donne une ambiance un peu curieuse. Oui. Et pareil, j'avais pas fait attention, si on regarde tout au fond, on aperçoit une tour oui. Complètement délabrée. Très, très authentique, très... T'as l'impression en fait que le temps s'arrête dans cette forêt. Merci. C'est quand même bien dangereux quoi, surtout que t'as pas de torche. Ouais, c'est bizarre. Non mais je pense qu'on va essayer de mettre des piles neuves. Ouais, je pense. Parce que là c'est pas normal. Ce bruit, t'as entendu ou pas? Non, c'est moi là, je veux gratter par non, terre. Non, je parle de. Ah, ok, c'est ce qui a à l'intérieur de ton sac. Ouais. Non, t'as vu le sol? Il y a de la mousse et il pourrait y avoir des trous, c'est pas très rassurant. Construit des bâtiments, finalement ça finit par se. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Ah, René. Vas-y, filme-moi. Ouais, mais t'inquiète pas. T'es où? Ah putain. Non, mais je pense qu'elle s'est barrée. Hein. Vas-y. C'est où? Ah, je peux pas là. Ah, filme-moi, enfin, éclaire-moi, je veux dire. Je t'éclaire. Ah, ça... Oh putain! Ah, je déteste les araignées! Oh putain, non, là, sérieux! Elle est où l'araignée là? Mais là... Désolé! Non, mais t'inquiète pas, je pense qu'elle s'est barrée, elle a eu plus peur que toi. Ah, arrête!
Ah putain, tu vas pas filmer. Non, ben non, non. Je pense que tu peux garder. Non, tu peux pas filmer. Regardez si elle est pas en quelque part. Putain, mais quel con. Elle est... Mais regarde sur moi. Bah attends, t'aurais eu la même chose, t'aurais pas fait pareil. Ah non, mais c'est clair, je suis arachnophobe. Regarde. Ah non, mais là, c'est mort, hein, ça me fout trop l'air à la soirée. Là. Attends, je détache mes cheveux. Le mec, il chasse les fantômes, il a peur d'une araignée, quoi. Quelque chose. Tu m'as touché, là. De quoi? Tu m'as touché les cheveux? Non. Arrête. T'es con. Toi, depuis que t'as été piqué par une araignée, t'es devenu bizarre. Y a-t-il quelqu'un? Tu sais? T'as entendu ou pas? Non. Je te jure, ouais, j'ai entendu une voix d'homme. J'ai entendu une voix d'homme, enfin, c'est un truc. Je te jure. Y a-t-il quelqu'un? Je te jure que j'ai entendu une voix masculine. Coupez la caméra, le temps de descendre ça. Ouais, une sorte d'odeur de soufre. Ouais, c'est ça. C'est, ouais, c'est ce que je sentais, mais effectivement, ça sent par là. Clairement, généralement, quand on sent une odeur de soufre, c'est souvent connoté à la présence d'esprit. Ah ouais? Après, est-ce que ce qu'on a senti, c'était vraiment une odeur de soufre? Bah écoute, j'ai reniflé les poutres, j'ai reniflé l'herbe, enfin tout ce qu'il y avait autour. Il n'y avait rien qui ressemblait à cette odeur-là. Cette odeur de soufre, en fait, elle apparaissait de manière brutale, mais comme un petit filet, comme un petit courant d'air qui passe, ouais. Qui sent cette odeur-là, tu vois. C'est comme ça que j'ai perçu. Mais toi aussi, c'est vraiment ça, c'est cette odeur, c'est ouais. Le terme que tu emploierais à cette odeur, ouais. J'ai pas osé le dire sur le coup, mais effectivement, c'était c'est bien. C'est pas soufre dans le sens l'odeur qu'on peut avoir de l'œuf pourri, c'est beaucoup plus léger, en fait. Oui, exactement, en fait, la même odeur que quand tu craques une allumette. Oh putain, ça c'est vraiment flippant, ça. La même odeur que quand tu craques une allumette. Ciao.